Yo les gars, salut à toutes et à toutes, c'est Serbe, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Blox pour une présentation de toutes les races, leurs petites subtilités et tout, à quoi elles servent, la V1, la V2, la V3, etc. Donc pour ceux qui ne savent pas comment avoir la V2 ni la V3, il y a deux vidéos du coup en description qui vous expliquent comment faire tout cela. Et aussi pour ceux qui ne savent pas comment changer votre race à l'infini comme vous voulez sans payer, car vous pouvez payer pour changer votre race qui est du coup juste ici change race et ça coûte 90 Robux. Donc pour ceux qui ne peuvent pas, vous avez juste à parler à cette petite personne et pour 3000 Robux fragments, excusez-moi, vous pouvez changer votre race pour une autre race aléatoire. Il y a un petit timer en haut à gauche de l'écran qui s'affiche pour vous dire exactement quand il y a cette race, quand je vous présente cette race et tout et tout. Donc on est directement parti. Pour la toute première race, la race qui est homme-poisson, c'est que vous pouvez nager dans l'eau plus rapidement et perdre moins d'HP pour la V1. Pour la V2, vous allez pouvoir nager dans l'eau à l'infini comme vous voulez sans perdre plus aucun HP. Et pour la V3 que je vous montre tout de suite, vous allez prendre 5 fois moins de dégâts. Donc voilà, là je l'active, vous avez vu qu'il me mettait du 600, maintenant il me met plus que 200 et ça pendant 10 secondes, donc elle est très bien cette race. Pour les Scapea, donc ceux qui ont des ailes dans le dos, vous allez pouvoir pour votre V1 du coup avoir des ailes dans le dos et pouvoir faire un double jump plus haut que la normale pour votre V1. Pour votre V2, vous allez pouvoir faire des jumps bien plus haut, comme vous voyez là, c'est bien plus haut que la normale. Et votre V3, vous allez faire des jumps encore bien plus haut. La V2, c'était deux fois plus haut et la V3 est 3,5% plus haut que la normale. Et vous allez régénérer vos HP. Donc là, vous hop, et j'active ma V et ça me régène 1000 HP en 10 secondes. Pour les Minx, donc vous allez avoir des oreilles sur la tête et votre V1 vous fera courir 25% plus rapide que la moyenne. Votre V2 vous fera courir deux fois plus rapidement que la moyenne et vos dashs seront plus loin et moins chers. Et pour votre V3, c'est toujours pareil, mais vous allez l'activer, hop, et vous allez courir nettement plus vite, 4 fois plus rapidement, et vous allez pouvoir enchaîner les dashs beaucoup plus rapidement, et ça va vous coûter moins cher, et vous pourrez aller encore plus loin. Et pour la dernière race, qui est la race humaine, il n'y a rien de visible, il n'y a pas de V1 ni de V2 à part entière, mais il y a une V3 qui va vous faire augmenter de 1,5 à 3,5 fois plus vos dégâts en fonction de vos HP. Donc tout pareil en appuyant sur votre touche T pour l'activer. Donc je suis désolé, j'ai pas pu l'avoir, j'ai pas eu assez de fragments pour la faire. Voilà. Sur ce, je vous laisse, les gars, c'est la fin de cette vidéo pour voir ce que la goule donne. La vidéo est en description car j'ai pas la race cool actuellement. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Ciao.